what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Marley a retrouvé son pouille-pouille. Quand on a déplacé le canapé de place cette semaine, et ben, enfin cette semaine, ce week-end, il y avait, en fait, c'était un gros nounours avec un gros pouille-pouille à l'intérieur, et il me l'a craqué, le nounours, mais il reste, ben, vous voyez, le truc qui queen quoi en fait à l'intérieur. Donc comme il est gros, on lui a laissé, mais alors, du coup, ben, le bruit il est moins atténué que quand il est à l'intérieur du nounours quoi en fait. Hein. Mais il adore et il fait trop rire parce qu'il saute dessus avec ses deux pattes devant là. En fait, ça fait un gros truc en plastique. Allez, je viens d'aller déposer les enfants à l'école. J'ai mon colis qui devrait être arrivé entre 9h et 10h. Donc c'est cool parce que hier j'avais reçu un message entre 8h et 18h. Je me suis dit, oh là là, 8h je vais conduire les enfants. Midi, je vais les rechercher. 1h30 c'est la même chose, je vais les déposer. Donc j'espère que ça n'arrivera pas à ce moment-là, mais ça va, c'est cool, ça va être dans les heures où il n'y a aucun risque que je ne suis pas là. Oh, il fait froid aujourd'hui, il faisait 3 degrés dans la voiture et Greg m'avait envoyé un message en me disant « Fais attention, il y a gelé et en plus ça glisse ». Donc ça y est, je pense que c'est parti, on va pas tarder à gratter le matin. Alors moi ça avait dégelé quand je suis partie, j'ai pas eu besoin de gratter, mais voilà, je pense que ça y est, ça va commencer. Bon après on est quand même fin novembre, à nous d'habitude... Ouais, à peu près dans ces eaux-là, c'est vrai. Allez, du coup ce matin, porridge... Non mais tu te fous de moi, tu viens de réclamer pour sortir. Non, je t'ouvre plus. Ah non, je laisse la porte fermée. Il fait froid. Oui, donc du coup, je vous disais... je sais plus, il m'a troublée. Je vais déjeuner, je me suis fait un porridge ce matin parce que j'avais froid. Je vais déjeuner devant la cheminée. Et ensuite, du coup, je vais faire mes poussières. C'est mon blessing du jour. Poussière, les prises, je vais mes interrupteurs, les miroirs. Je vais essayer aussi de faire mon frigo. J'espère qu'il est un petit peu moins plein. Alors c'est juste un tout petit coup, donc je vais, voilà, je vais faire un petit coup dedans. Et puis après on testera le... par terre, ensemble, mon nouveau petit compagnon de ménage. On verra ce que ça donne. Alors, je vais pas le tester comme certains le testent sur les vidéos YouTube avec des œufs, des machins et tout. Moi, je veux juste voir le résultat sur des tâches de la vie courante. Quoi. En fait, c'est rare que j'écrase un œuf par terre ou que même le ketchup, les trucs qu'on peut voir. Mais après, c'est sûr que c'est bluffant hein, parce que l'œuf, on le voit, il aspire complètement, même la coquille et tout. Ce qui m'avait fait aussi c'est j'avais vu une vidéo où ils étalaient un petit suisse sur le sol avec du miel et franchement le petit suisse quand vous, enfin voilà, c'est une galère à ramasser parce que ça s'étale, c'est épais, c'est et il a réussi hein, je lui ai rouvert la porte hein. Mais tu le fais quoi, tu l'as laissé dehors, va le chercher, allez va. Mais t'es un grave, mais il est grave ce chien. En fait, il est... je vais vous montrer. Il y a le vélo à Angel qui est là. Et son poupouille, il est là. Vous voyez? Et ce chien a peur. Donc il pleure, il veut le récupérer. Mais il pleure parce que il y a le vélo et qu'il a peur du vélo. Marley! Je devrais aller dehors. Le chercher. Parce que moi, il va pas arrêter de pleuvrer. Ah! Je l'ai! Allez, en plus je suis à pied de chaussettes d'intérieur, là dehors c'est mouillé, j'ai les pieds tout mouillés, maintenant, de ta faute, qu'est-ce qu'on ferait pas pour son chien oh. J'en étais ouf, oui, donc ce qui m'avait bluffé c'était ça, parce qu'en fait il l'aspirait, mais direct quoi en fait, sans l'étaler, rien du tout, et la farine aussi, ça m'avait bluffé aussi, parce que elle, la farine c'est pareil, ça fait une pâte quoi en fait, et là il aspirait tout aussi, mais voilà, moi c'est surtout pour les tâches du quotidien, c'est bon, ça arrive hein, que je renverse un peu de farine ou des trucs comme ça, mais... Voilà, donc on testera ça ensemble tout à l'heure. Je vais peut-être commencer mon ménage de zone aussi. C'est extérieur et entrée. Alors extérieur,
il fait trop froid, je vais passer mon tour, je pense. Non, mais il n'y a pas grand chose à faire. C'est plutôt Greg qui fait l'extérieur. Donc là, je pense que Greg a 2-3 petits trucs à faire. Mais moi, je vais surtout me consacrer sur l'intérieur. Et puis, je voudrais faire le tri des manteaux et tout. Parce que là, je pense que ça y est, on va laisser les petites vestes. Vous voyez, tout ce qui est veste en jean et tout que je mettais encore, là je mettrai plus. T'es un peu trouble, toi, tu as du mal. Je mettrai plus, mais je. Voilà, je vais ressortir les gros manteaux, les écharpes, les trucs comme ça, on les avait déjà sortis un petit peu. Mais voilà. Allez, oh, d'abord on déjeune. Ah, il fait bon devant la cheminée. Allez, on y va du coup pour miroir, prise, interrupteur et puis les poussières. Poussière, j'utilise mon plumeau. C'est les petites poussières, donc c'est juste donner un petit coup. C'est pas le ménage de zone, quoi, en fait. Pour tout ce qui est interrupteur, prise, les télécommandes, les tout, j'utilise un... Alors, un spray désinfectant comme ça, je l'achète chez Lidl. Franchement, il est bien. Le seul truc, c'est que ça fait des traces. Donc, moi, ce que je fais... c'est que j'utilise un petit chiffon pour donner un petit coup dessus parce qu'autrement où je pulvérise directement sur mon chiffon et je viens frotter parce qu'autrement ça fait comme des coulées en fait, ça laisse des petites traces dessus et c'est pas très joli. Et puis ben, pour les vitres, du Prolivite et du Sopalin, faut que je me rachète un chiffon microfibre pour les vitres parce que le mien a tendance à faire des traces. Je pense qu'à la force de les laver, ils perdent leur efficacité microfibre, vous voyez. Donc du coup il faudrait que je regarde pour en racheter. Allez, on s'y met. More than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of a romance. You make me feel so alive, always there in my mind. But I just don't know if I'll dance with the lights on. If you're gonna be moving on solo, wait a second, cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Elle a pas eu couru ce matin, alors elle était à 8h et en fait ben ils ont prévenu les autres de sa classe et elle, je sais pas, elle a dû rentrer en catimini, ils l'ont pas vu et du coup elle est rentrée et comme elle était rentrée ben, elle a dû rester une heure en permanence et après elle avait plus du tout cours. Tous ses profs sont absents ce matin, je sais pas, on a beaucoup de, t'as beaucoup de profs absents hein, cette semaine. Ouais, peut-être des préparations ou je sais pas quoi. Mais là, du coup, voilà, elle est restée une heure et elle est rentrée après. Hein? Bon, alors, du coup, j'ai reçu mon colis. Je vais l'ouvrir et je vais vous montrer. En fait, alors, je vais essayer de vous mettre sur le pied. Alors, c'est un aspirateur laveur. C'est pas un aspirateur. Il n'est pas fait pour faire que l'option aspirateur. C'est vraiment pour laver les sols, en fait. Et comme je vous ai dit dans la... cette semaine quand je vous ai dit que j'avais commandé,
c'est pas un... C'est un aspirateur qui aspire la saleté, quoi, en fait. Enfin, c'est un laveur qui aspire la saleté. C'est pas comme les vapeurs ou les lingettes, vous voyez. Ça étale pas. Là, ça aspire. Je vais vous montrer. Du coup, c'est le Tineo 4-1 F3. Alors, il était en promo. C'est un aspirateur qui vaut 500 €. Enfin, un aspirateur. Je sais pas. Ils appellent ça un aspirateur, hein, mais comme je vous l'ai dit, c'est... on peut juste aspirer avec, mais il est pas fait pour ça. Quand on aspire qu'avec, il réclame en fait pour mettre de l'eau. Oui, donc il vaut 500 €. Mais là, moi, je l'ai eu avec le Black Friday à 280. Donc, ça valait le coup. Ça faisait un moment que je louchais dessus. Juste pour m'éviter de sortir mon seau et tout. Et j'étais pas... Enfin, j'ai déjà eu un des aspirateurs vapeur. J'ai eu aussi l'aspirateur qui aspire et qui vapeur et qui aspire de Roventa. Et j'en étais vraiment pas fan parce que je trouvais que ça faisait des traces, en fait. C'est comme je vous dis, moi je suis pas fan de tout ce qui est lingette et tout, parce que c'est pratique, hein, pour donner juste un petit coup. Mais je trouve que ça lave pas, ça étale, quoi, en fait. On étale la saleté. Et là, franchement, si, comme je vous ai dit, je me suis fait influencer, si ce que les influenceurs nous ont montré c'était vrai, il est bluffant. Je vais vous changer de batterie parce que vous clignotez. Alors, je l'ai déballé. Donc du coup, oui, comme je vous disais, en fait, par exemple, vous voyez, vous renversez je sais pas, quelque chose par terre, vous allez prendre un balai vapeur ou une lingette, vous allez étaler ce que vous avez renversé, alors que lui, il va l'aspirer, nettoyer et aspirer ce qu'il y a par terre. Donc c'est toute la différence, en fait, c'est qu'il nettoie, il étale pas. Et puis il a deux bacs, un dos propre et un dos sale. Donc il aspire la saleté, le met dans son bac d'eau sale et il lave avec de l'eau propre. Donc il lave tout le temps avec de l'eau propre. C'est même mieux qu'avec le seau, en fait, et la lavette, parce que là c'est comme si vous changez votre eau à chaque fois que vous rincez votre lavette, quoi, en fait. Donc, enfin, lavette, nous c'est un nom du Nord, je pense, serpillière. Ouais, c'est mieux. Alors, à l'intérieur, on a du coup, alors c'est très simple, il paraît, de pour monter, on a juste le manche à mettre. Donc on a le Tineco, l'aspirateur, enfin le laveur. Hop. Alors, comme je vous ai dit, moi, ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil, mais il était quand même à 500 €. Alors, je me disais, oh, est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que tu... Et là, franchement, avec... Ben, Loulou n'est plus là, hein, mais avec Loulou qui était à la maison, et puis c'est surtout Marley, quoi, en fait. Il rentre, il sort, il salit fort la maison. Et puis, comme je vous ai dit, moi, je suis pas fan de tout ce qui est petite lingette jetable, quoi, en fait. Donc, on a le manche. On a un petit bouquin. Donc l'aspirateur, on a le socle pour la recharge et pour mettre l'aspirateur. Alors c'est un aspirateur sans fil, hein. Donc c'est ça aussi qui est pratique, parce qu'avec le Roventa j'avais un fil et ça aussi c'était casse-pied, quoi, en fait, hein, parce que moi j'ai pris l'habitude de plus avoir de fil, ça libère quand même les mouvements. On a une lotion nettoyante, alors on est... pas obligé, enfin ils conseillent d'utiliser leur truc, hein, mais c'est normal, pour se faire un peu de thunes en plus après avoir acheté l'appareil. Mais ils disent qu'on peut mettre aussi notre appareil, mais bon, c'est notre produit nous-mêmes, enfin le produit qu'on utilise d'habitude. On a un deuxième rouleau, il y en a un déjà installé. Ça c'est des petits accessoires qu'on peut mettre sur les côtés, mais moi je pense pas que je vais les mettre, c'est pour ranger justement le rouleau qu'on a d'avance. On a un petit goupillon comme ça pour nettoyer la brosse. Et puis dessus, il y a... Alors, est-ce que je vais y arriver avec mes ongles? Voilà. En fait, il y a un petit grattoir avec une petite lame. Je sais pas si vous allez la voir, qui est juste là. C'est pour enlever, vous voyez, les cheveux ou les poils qui pourraient être sur la brosse. Vous donnez un petit coup comme ça, vous enlevez tout. Hop. Et ça se range comme ça. Et on a... du coup, le chargeur pour recharger l'appareil. Et un autre petit... alors, c'est un truc aussi qu'on met sur le côté. C'est pour ranger le deuxième filtre qui est à l'intérieur de l'appareil. Mais comme je vous ai dit, moi, je pense que je vais les ranger. Je vais, comme ça me fait gagner de la place pour pouvoir ranger le Tineco, je verrai quoi, en fait. Alors, ici, je vais regarder ce que je dois faire pour... Alors, je pense qu'il faut juste mettre... Je vais lire la notice. Je pense que c'est mieux. Hein, Sandra? C'est mieux. Alors,
ils disent de juste insérer, alors c'est peut-être dans l'autre sens, la poignée, jusqu'à ce qu'on entend clic. Voilà, et voilà, c'est fait. Et c'est tout ce qu'il y a à faire au niveau du montage, je pense. Ouais. Il est déjà prêt à être utilisé. Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors, pour avoir accès à la brosse, en fait, c'est juste ici. Donc, on a un petit truc et on peut enlever. Et on peut enlever la brosse pour la changer ou la nettoyer. C'est assez simple. Alors, il y a une fonction auto-nettoyage. Donc, il se nettoie tout seul, logiquement. Hop, à la fin du nettoyage, en fait, il se nettoie tout seul. Donc, en fait, la différence, vous voyez, là, la brosse, elle tourne comme ça. Vous voyez, donc là, c'est mouillé. Là, on a ici le truc qui aspire. Et ici, on a une lame. Enfin, une lame, un truc, en fait, qui vient racler le rouleau. Donc, le rouleau tourne comme ça. Hop, il est injecté d'eau. Il vient ici, il est aspiré et raclé. Donc, tout est raclé et aspiré. Donc, la saleté est aspirée et va, du coup, dans le bac d'eau sale qui est ici. Et on a le bac d'eau propre qui est ici. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment pour nettoyer. On peut pas... Enfin, à chaque fois, si on met pas d'eau, il dit... Alors, je vais pas pouvoir l'utiliser tout de suite. On va pas pouvoir le tester tout de suite parce qu'ils disent qu'il faut le mettre en charge avant, pendant 4 à 5 heures. Pour la première charge, qu'il soit à 100%. Donc, je vais le mettre dans un coin de la maison. Puis, il va falloir que je trouve une place. Et puis ensuite, on va le laisser charger. On l'utilisera tout à l'heure, du coup, quand il sera à 100%. Je l'ai mis là, je l'ai mis en charge. On va le laisser charger à 100%. Là, il y a 50%, donc 54%. Il faut le temps qu'il se charge. Et là, du coup, je suis en train de lire le reste de la notice. Donc, au niveau de la solution, ils disent que c'est un bouchon pour remplir le, avec et on remplit le réservoir. Donc, du coup, il n'en faut pas beaucoup parce que le bouchon n'est pas très grand. Et puis ensuite, il y a une... Alors, vous voyez sur la poignée, je vais vous montrer ici. Alors là, c'est le voyant, enfin, il est tout électronique, enfin, digital sur le dessus. Et ici, on a une position sur la télécommande pour l'auto-nettoyer. Donc en fait, il va injecter de l'eau dans le bac et il va se nettoyer, la roue va se nettoyer et il va aspirer le reste quoi, en fait, qu'il y a dedans pour le mettre dans le bac d'eau propre. Et du coup, le rouleau est rincé un peu comme nous quand on rince notre... notre serpillère quand on lave, quoi, en fait. Et puis, donc après, au niveau d'ici, il y a juste deux boutons. Donc, pour le mettre en route et pour choisir, parce qu'il y a plusieurs options. En fait, il est doté d'une intelligence, je ne sais pas trop quoi, là. Et en fait, il détecte la saleté et il s'adapte en fonction de la saleté au niveau de la quantité d'eau qu'il faut mettre. Il arrive à voir la saleté qu'il y a par terre. Et alors, il y a même écrit sur le dessus. En fait, il passe du bleu au rouge, je pense. Pour voir comment, si mettons il y a une grande tache, ben, il vous indique qu'il est rouge, donc il faut passer plusieurs fois dessus sur la tache, en fait, pour avoir la saleté jusqu'à ce que l'eau soit propre, en fait, l'eau qu'il aspire soit propre. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'en fait, quand vous l'éteignez, il ne s'éteint pas tout de suite. Il finit d'aspirer tout l'eau sale, en fait, dans son réservoir, pour être sûr de ne pas avoir, vous voyez, quand vous le posez, de l'eau qui coule. Il va bien tout aspirer et ensuite il s'éteint. Donc c'est cool aussi, ça. Alors je lis et je vous explique en même temps, hein, mais en fait, vous voyez, hop, là ici, sur le petit écran, en fait, il y a trois positions en auto. En fait, il se met en auto quand vous le nettoyez en automatique. C'est lui qui va détecter le mode de nettoyage. Donc, un nettoyage avec une utilisation minimale, plus fort ou encore plus fort quand la saleté. Ils disent que c'est le capteur ILOP qui détecte automatiquement le degré de saliture de sol et applique la quantité appropriée de détergent et la puissance d'aspiration adaptée. En boucle rouge de surveillance de la saleté indique qu'une plus grande quantité de saleté est détectée, et en boucle bleue, donc en fait c'est indiqué sur le petit cadran, en fait c'est en rouge, c'est sale, en boucle bleue, voilà, c'est il n'y a pas forcément une grande quantité de saleté, donc il va s'adapter en fonction de ça, quoi, en fait. Et ils disent que quand on est en mode auto, on peut appuyer donc du coup sur le mode max pour éteindre le mode auto et nous régler nous-mêmes la puissance d'aspiration maximale et pulvérisation d'eau et solution de nettoyage.
Et en fait, tout ça, c'est indiqué sur l'écran. Donc, quand vous nettoyez, que vous voyez que d'un seul coup, il est rouge et qu'il y a une grosse saleté, vous pouvez mettre en position maximum pour avoir cette grosse saleté. Vous voyez, mettons une tache qui est collée ou quelque chose comme ça. Alors, il a une autonomie. Lorsque la puissance max est utilisée, l'autonomie est environ 25 minutes. Mais les trois quarts du temps, on ne doit pas utiliser la puissance max. C'est un peu comme avec l'aspirateur, enfin les Dyson ou les choses comme ça. Il y a moins d'autonomie, mais 25 minutes, c'est déjà pas mal. Parce qu'une fois, je m'étais chronométré pour passer l'aspirateur dans ma maison, je mettais moins de 10 minutes. Donc, je suis en train d'essayer de mettre l'application, parce qu'il y a une application avec. Alors, ils disent qu'il y a... Enfin, ça n'a pas une très grande importance cette application. Il est connecté au Wi-Fi en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pour changer la langue. Parce que là, du coup, il est en anglais au lieu de parler en français. Parce qu'il parle, enfin, il dit quand le bac est plein. Enfin, voilà, les choses comme ça. J'ai quand même mis. Là, du coup, j'ai donné à Stacy parce que je suis en train de m'énerver dessus. J'y arrive pas. J'ai quand même mis les deux petits bacs sur les côtés. Parce qu'en fait, c'est pas pour ranger comme je pensais les trucs qu'on a en plus. C'est pour faire sécher le rouleau et le filtre pour éviter que ça. Donc ils ont vraiment pensé à tout. En fait, vous avez deux petits rangements ici qu'on met sur les côtés, donc un pour ranger le petit goupillon, un pour mettre le rouleau, parce que une fois que vous avez lavé, ben, il est mouillé comme une serpillière en fait, hein, et pour éviter que ça noisit et que ça sent pas bon, vous voyez l'humidité, ben, on le met là comme ça, il sèche. Et sur le côté, en fait, dedans, dans le bac de salle, il y a un filtre ici, et en fait là c'est pareil, c'est pour filtrer le les particules en fait. Tu cherches quoi, chérie? Bah, t'as dit machin. Ah, le papier, il est là. En fait, c'est pour ramasser les petites cochonneries qui est dedans. Donc pareil, on peut le faire sécher, ce petit filtre, pour pas qu'il sente mauvais ou qu'il noisit. Tiens. Ça y est, on a su mettre non sans mal l'application. En fait, elle sert pas à grand chose, hein, juste à changer la langue. Après, ça vous dit le durée qui reste de charge, le statut de nettoyage, le quand le réservoir d'eau propre est plein ou le réservoir trop d'eau propre est sale en fait, mais c'est tout. Ouais, donc c'est tout. Mais vous pouvez le mettre en muet aussi pour pas qu'il parle. Voilà. Mais après, voilà, c'est surtout pour changer la langue parce que du coup, il me disait. Il parlait en anglais, quoi, en fait. Hop, allez. Du coup, bah, je vais le laisser charger, mais il se charge assez vite là. Il reste quand même 1h30 pour qu'il soit complètement chargé. Donc, je pense que je l'utiliserai après manger. On testera ça ensemble. Là, moi, je vais finir mon frigo, du coup, ce que j'étais en train de faire. J'ai lancé ma mijoteuse, donc 2 heures puissance élevée pour réchauffer. Comme ça vient du frigo, c'est bien froid. Donc, pour réchauffer. Et ensuite, ça va juste rester sur position maintien au chaud jusqu'à ce qu'on mange tout à l'heure. Allez, frigo maintenant. Il est chargé, j'ai fait mon frigo, on va le tester. En tout cas, il sent super bon le produit pour les parterres. Bon, je pense que les deux bouteilles valent une 30aine d'euros, donc ça pique un peu. Mais comme je vous ai dit, on peut utiliser un autre produit. Hein. Après, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que le bouchon est tout petit. Il faut mettre un bouchon dedans. C'est super concentré en fait. Donc, mais franchement, ouais, l'odeur, ça sent l'homme propre. Alors, hop, et ils disent après de remplir du coup le réservoir, donc un bouchon, et le remplir donc jusque max avec de l'eau maximum à 60 degrés. Donc de l'eau tiède. Un peu plus que tiède, quoi. J'ai déjà commencé par faire ma cuisine. Je vais vraiment pas faciliter le travail parce que j'ai secoué mes tapis dans la maison. Et je suis en train de les laver là du coup. Alors c'est assez facile parce que il est lourd. Il fait 4,5 kg. Donc à porter comme ça, il est lourd. Mais en fait, il est autotracté. La roue l'entraîne vers l'avant. Donc du coup, vous n'avez pas à le pousser, vous n'avez pas à le porter. Donc en fait, compte, c'est assez léger et facile à manier. Donc je vais vous montrer mon sol, comme je vous ai dit. Je vais pas du tout faciliter le travail. C'est rempli de bourre de poils, de petites saletés qu'il y avait sur les tapis. Il y a même un petit peu de tâches là incrustées de marler. Alors ce qui est bien aussi, c'est quand il est en route, quand vous le remettez sur position comme ça, parking, il s'arrête de lui-même et il se remet en route directement quand vous sortez de la position parking. Vous voyez, en fait, il est autotracté.
On verra du coup une fois sec ce que ça donne, mais ça a l'air d'être pas mal. Alors, à mon avis, l'eau elle doit être bien noire quand même, parce que là il y avait plein de traces de marlée et tout qui étaient rentrées et sorties, donc ouais, mais en tout cas ça fait pas de traces et puis ça sèche vite. Je sais pas si vous voyez, mais au niveau de là-bas, je pense pas avec le contre-jour, vous voyez pas, mais c'est déjà sec, donc j'ai à peine fini la pièce que là-bas c'était. Je sais pas si vous voyez, mais l'écran est rouge. Je viens d'aspirer là en dessous de la table. Je sais pas comment ça se fait, mais ça me dit d'insister quoi, en fait. Donc j'insiste un peu, et puis logiquement il va devenir il va changer de couleur, il va devenir bleu. Vous voyez, il change de... il adapte. Voilà. Verdict, je vous préviens, ça risque d'être un petit peu ragoûtant, parce que vu la couleur de l'eau qui est à l'intérieur, donc là on enlève le filtre. Déjà il y a plein de petites cochonneries, donc il m'a aspiré des petits débris de bois et tout. J'ai aspiré à côté de la cheminée, donc alors attendez. Ah oui, et poils à marlée. Dégoûtant. Il y a des poils à marler, il y a ouais, et puis il y a des morceaux de bois et l'eau qui est bien noire. Et aspirer des confettis aussi que j'avais du mal à ramasser, parce que c'est les confettis qu'il y avait dans les ballons là, c'est gros. J'avais du mal à l'avoir. Ouais, c'était bien crassouilleux quand même. La honte. Hein, comme quoi que même quand on croit que la maison est propre, hein. Ah, et franchement il m'a bien aspiré tous les bourres de poils, les petits cheveux, les poils et tout de marlée et tout. Je voyais les touffes qui partaient quoi en fait. Et ces confettis là, c'était les confettis qu'il y avait dans les ballons, que j'ai eu du mal à ravoir, parce qu'en fait c'est du papier brillant et ça colle au sol, et même avec le balai, avec l'aspirateur et tout, ça restait collé. Et là ils sont partis. Cool. Bon, bah on verra à l'usage, hein, mais pour l'instant,
J'en suis plutôt satisfaite. Et puis franchement, ça va vite, c'est assez facile à manier et tout. Je ne vais pas mettre mes mains dans l'eau. En plus, vous savez, moi je suis assez nunuque à caca. Hein. J'aime pas quand il y a des trucs qui flottent dans mon eau et tout. Je change mon eau du coup régulièrement. C'est comme la vaisselle. Greg a fini par m'acheter un lave-vaisselle et il en achète un dès qu'il est en panne parce que je ne sais pas mettre, laver ma vaisselle dans un bac d'eau. Je rince toute ma vaisselle et ensuite je la lave. Enfin, il faut que ma vaisselle elle est limite propre avant de la laver avec du savon. Quoi, en fait. Donc il me dit tu muses 40 litres d'eau avant. Il préfère, soit c'est lui qui fait la vaisselle, mais je vous assure c'est pas une excuse, hein. C'est vraiment parce que j'aime pas avoir les trucs, c'est comme aller me baigner dans la mer ou quoi, si je vois pas le fond de l'eau j'aime pas ça parce que je sais jamais sur quoi je marche quoi. Bref, allez, je vais aller finir ça et puis j'ai avalé ma salive de travers, je vais aller chercher mon grand du coup qui a fini. Quand vous avez fini de laver, et ben il faut juste appuyer. Faut appuyer sur le bouton là et vider le réservoir d'eau sale. Donc là c'est ce que je vais faire parce que je viens de finir mon entrée. Et puis il faut appuyer sur le bouton et il va nettoyer la brosse comme nous quand on nettoie notre serpillière. Donc voilà. Je vais nettoyer. Je vais le laisser finir et puis je vais aller chercher Angèle. Récupérer Angèle. Donc du coup ben, l'aspirateur était fini d'être nettoyé. J'ai vidé le bac, j'ai donné un petit coup au niveau de là en fait. Et le rouleau, du coup je l'ai sorti. Vous voyez, il est propre quoi en fait. Hein. Il est pas sale quoi en fait. Donc là je vais le laisser sécher du coup sur la petite truc d'à côté. Et puis j'ai mis le petit filtre là pour le faire sécher. Voilà. Alors. L'aspirateur en lui-même, franchement, pour l'instant, on verra sur l'usage, hein, mais il a l'air de bien faire son travail. Par contre, le produit, je ne sais pas s'il vaut le prix, quoi, en fait. Alors, il lave bien, hein, il fait pas de traces, rien du tout, mais par contre, c'est l'odeur. Je trouve qu'il sent bon dans la bouteille, mais il sent pas, en fait, quand on l'utilise dans la maison. Je trouve que l'odeur n'est pas assez prononcée. J'aurais préféré que ça sent plus le propre, vous voyez. Mais voilà, mais autrement... Il a l'air d'être top, donc je vous en reparlerai hein, dans quelques mois d'usage parce qu'il y a des moments où on est enthousiaste au début, puis après on descend un tout petit peu. Mais franchement, il a l'air de bien avoir lavé, il n'a pas fait de traces. Et puis vu ce qui est sorti, hein, il lave bien. C'était bien noir et puis les poils de marle et tout, ils ont bien été aspirés et tout. Ça c'est cool. Le test ultime, ça va être quand Loulou va venir manger à la maison et qu'il m'aura fait un gros carnage et que je vais tout aspirer et laver en même temps. Ça sera le test ultime. Je vais dire à Kim qu'elle me le ramène à manger juste pour tester ça. Bon allez, moi je vais aller manger, après je vais commencer sûrement à monter le vlog, aller conduire les loulous, puis cet après-midi on va sûrement aller faire les courses, comme ça on devra pas y aller demain, je peux voir avec Greg, mais je pense qu'on va faire ça. On est entré, on a été, alors je pense que je vous ai pris, je vais aller reconduire les enfants à l'école, donc j'étais reconduire les enfants à l'école, enfin Greg, non c'est moi qui ai été, et ensuite Greg est rentré, il a mangé, puis on a été faire les courses, et il est déjà 5 heures passées. Donc là, il est parti rechercher Stacy. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qui change d'habitude que j'ai acheté. Déjà, j'ai fini. Enfin, j'ai fini. Il manque plus que les couteaux à steak. Autrement, ben, je les ai tous faits. Donc là, j'ai pris le couteau. C'est le couteau quoi ? Je pense que celui-là, c'est le couteau à découper. J'ai pris le couteau à éplucher. Je ne sais pas, il est où ? Il doit être quelque part. Et j'ai pris un autre, c'est... Ah, ils sont ici. Le couteau à éplucher. C'est marrant, il est un peu... Hop. Tordu, on dirait. Et puis, le couteau universel. Donc là, du coup, j'ai toute la collection, sauf les couteaux à steak. Je pense qu'au début, je n'allais pas les faire parce que je n'en avais pas l'utilité. Mais je pense que je vais les faire parce que là, j'ai fini la collection. Ensuite, je me suis... Qu'est-ce que j'ai pris ? C'est hors de l'ordinaire. Déjà, au niveau des congelés, j'ai pris de la glace. Alors, je sais qu'on n'est pas du tout de saison. Hein. Il y avait une promo sur les Magnum. Et je sais pas, j'en avais envie. Je me suis dit, bon, allez. Si ça
ça tombe, ils vont rester dans le four. Alors moi, c'est mon truc, ça. J'achète et après, je mange plus parce que l'envie m'est passée. Et ça va rester là. Mais bon, les enfants ou grève vont s'en charger. C'était une boîte achetée, la deuxième à moins 65%. J'ai pris un lot comme ça, en fait, Magnum Mania. Il y a 4 sortes. Caramel, white, amande et classique. Donc j'en ai pris 2. Ça, c'est au niveau... Après, j'ai pris des frites surgelées, des haricots verts. Qu'est-ce que j'ai pris qui sort de l'ordinaire? J'ai pris de quoi faire un cassoulet du Nord. Je vais faire des hot dogs, croque hot dog aussi. Greg s'est pris une boîte de petits gâteaux comme ça. Il les a vus, il m'a dit, oh, pour un dimanche quand je ferai rien. J'ai dit, vas-y. Hop, je vais faire du bœuf carotte, donc j'ai pris du bourguignon. Et je vais faire mon... Alors, c'est un bœuf qu'on fait très très mijoter. En fait, la recette, le nom, c'est un plat italien, et ça veut dire en fait trop cuit. Ça cuit dans une sauce avec des cèpes dedans, c'est trop trop bon. Et là, je vais le faire avec de la basse-côte. En fait, il faut vraiment une viande qui s'effiloche à la fin. C'est vraiment très 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 cuit, quoi, en fait. Ça va bien avec de la joue de bœuf. Je voulais prendre au début de la joue de bœuf, mais il n'y en avait qu'une. Je le fais aussi demain avec du paleron aussi. Enfin voilà, ce genre de viande qui nécessite justement une longue cuisson pour être bien tendre. Ensuite, ben ça c'est pour mon cassoulet, mes croques, mes bananes. J'ai repris du cumin aussi. On a pris ça parce que mon père a dit à Greg qu'il utilisait ça pour dégraisser le fumoir et que ça a coulé, ça allait trop trop bien, spécialement pour les barbecues et tout. Donc on va tester, on verra bien. C'est ultra dégraissant au citron. En fait, c'est pour la cuisine, les extérieurs, exemple les tables de jardin, les grilles de barbecue, les jantes de voiture, les montants de fenêtres et les volets lavables, toutes les autres surfaces, poubelles, plastiques et meubles lavables, poignées de porte, etc. Il peut aussi enlever les taches grasses sur le linge en pré-lavage. Voilà. Et il a dit que son fumoir était revenu nickel avec ça. Donc Greg a voulu tester. Ensuite, j'avais reçu... Vous voyez, c'est envie de plus. C'est le petit code catalogue qu'on reçoit et demain avec plein de bons de réduction. Et dedans, il y avait un bon de réduction d'un euro pour l'antical. Donc du coup, j'ai pris de l'antical. Il me fallait du produit pour le tartre dans ma salle de bain. Donc voilà. Et j'ai repris mon lot de Lénore, mais ils ont sorti des nouveaux parfums. Et là, je me suis laissée tenter par les calanques provençales. Donc d'habitude, c'est air frais ou envolé d'air que je prends, et là du coup j'ai pris celui-là. Donc j'ai pris ça, il y avait aussi, en fait c'est avec envie de puce, il y avait des remises dessus aussi. Donc j'ai pris les petites billes, parce qu'en fait ils ont sorti vraiment toute la collection les petites billes. Donc c'est pareil, là c'est calanque provençal. Et puis par contre ils font pas le dash que je prends d'habitude en liquide, ils font que en pod, comme ça, en pod. Voilà, donc j'ai pris les pods. En fait, j'avais 2 euros dessus. Je pense que ça me revenait oui, à 9 euros et des brouettes pour 32 lessives. Pratiquement la même chose qu'avec la bouteille. Donc voilà, après j'ai repris des petits filtres pour la fontaine à Marley. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je pense que c'est tout, de l'ail, des oignons, pommes de terre, des carottes. Oui, ben c'est tout. Bon, après, c'est des trucs classiques, style pommes de terre, bananes, voilà. des mouchoirs aussi, parce que j'en avais plus. Et à chaque fois, maintenant, je prends ceux-là, parce qu'ils sont... En fait, ceux-là, déjà, c'est au menthol. Et puis, en fait, ils passent à la machine sans faire plein de petites chiquettes de partout. Ce qui est pratique quand vous avez des ados qui oublient dans les poches les baguettes de mouchoirs. Voilà. Allez, je vais ranger ça parce qu'après, il faut que je prépare mon repas. Je ne l'ai pas fait à l'avance cette fois-ci. Donc, il va falloir que je le fasse là, après. Allez, je vais me mettre à ranger. Je suis en train de préparer le repas de ce soir. Alors, le repas de ce soir, c'est un poulet chasseur, un poulet cacciatore. Donc, c'est un poulet qui cuit avec des champignons. Il y a des petits légumes comme des carottes, oignons, de l'ail, des petites herbes avec basilic, du thym. Il y a un petit peu de piment. Moi, j'en mets vraiment pas beaucoup. Hein. Vous savez que moi, le piquant, c'est les...
Greg et le palais sensible ainsi que Stacy. Ensuite, ça cuit dans une sauce tomate avec un petit peu de vin blanc et puis il y a des olives aussi dedans. Voilà, c'est très bon, on sert ça avec des pâtes fraîches. Alors, j'aurais pu le faire à la mijoteuse, c'est parce que j'ai pas eu le temps tout à l'heure, mais autrement, on aurait pu très bien le faire à la mijoteuse et le laisser mijoter toute l'après-midi. Alors, comme d'habitude, le poulet, 6 heures puissance douce et 3 heures puissance élevée. Là, du coup, ben, comme je ne l'ai pas fait, on pourrait très bien le faire à la marmite aussi. Mais là, du coup, je vais le faire au Ninja, en cuisson sous pression. Avant, je le faisais au Cookéo aussi. Ça cuit vite, en 5 minutes, c'est cuit. Le seul truc, c'est que là, vous voyez, d'habitude, ben, je vais faire autre chose que faire à manger, quoi, en fait. Le Ninja, la mijoteuse, elle va cuire et il n'y a plus qu'à passer à table. Là, je vais speeder un petit peu pour que ça cuit. Bon, il est 18h. D'habitude je monte le vlog et je commence à prendre de l'avance pour ce soir. C'est ce que j'aime dans la mijoteuse en fait, c'est que je peux programmer et après j'ai ma soirée qui est libre, quoi, en fait. Je peux m'installer avec Greg, profiter de la soirée, avancer sur le montage s'il faut, et du coup alors, on a vraiment plus qu'à passer à table et profiter de notre soirée. Là voilà, je passe en cuisine, mais bon, maintenant je cuisine moins, hein, avec le fait que je cuisine une fois pour deux, et franchement pour l'instant ça va, ça nous convient pour l'instant. Alors ce midi j'ai posé la question à Greg, il m'a dit bah ça va, ça me dérange pas tant que c'est des plats que j'aime bien. Si c'est un plat que j'aime pas, ça va peut-être plus m'embêter d'en manger le lendemain. Je dis ah bah ouais, mais bon, hein, c'est sûr. Allez, mais en ce moment c'est des plats mijotés et tout, et ça il aime bien en fait Greg, hein. C'est vraiment, c'est un, on va dire, un bon vivant, Greg. Il aime bien tous les plats en sauce, les plats, vous voyez, ce genre de plats, quoi, en fait. Et là, en ce moment, il est gâté. Allez, je finis de découper mes champignons. Alors, pour la recette, je vous la mettrai en barre d'infos. Je vous l'ai déjà partagée. Et dans la fiche recette, je vous avais tout expliqué. Si vous voulez le faire à la sauteuse traditionnelle ou si vous voulez le faire sous pression au Cookéo. Avec le Ninja, je vais faire exactement la même chose. Je vais, alors, ça cuit en 5 minutes sous pression. C'est du poulet, c'est coupé en petits dés, donc ça va super vite. Il y a des anchois aussi dedans, je vous ai pas dit tout à l'heure dans la recette. Il y a des anchois, alors on sent pas du tout les anchois, hein, dedans, mais ça apporte le petit truc en plus dans la recette. Voilà, le petit truc, vous voyez qu'on se dit, ah, il y a un truc là, mais j'arrive pas à deviner ce que c'est, mais voilà, c'est le petit... voilà, mais on sent pas du tout le... On pourrait pas deviner que c'est des anchois, pour ceux qui ont peur. après vous pouvez les... Ne pas les mettre, hein, si vous souhaitez. C'est comme le vin rouge, hein, celui qui ne boit pas d'alcool. Il peut très bien mettre un peu plus, remplacer par du bouillon de volaille par exemple. Bon allez, j'y vais. Je vais faire ça et puis ensuite je vais faire ça avec des pâtes, des tagliatelles fraîches. Alors je vais faire cuire qu'un seul paquet. J'ai pris deux paquets parce qu'il y en a un pour demain. Mais je vais en faire cuire tout ce qui est riz, blé et tout. Je le fais cuire, je fais tout cuire en la même quantité le soir et je le fais réchauffer le lendemain. Par contre les pâtes réchauffées, je trouve pas ça top. Et puis bon, là c'est des pâtes fraîches en plus. Ça risque de faire bloc, vous voyez, un truc qui que un gâteau de pâtes. Donc là je le ferai cuire demain, le deuxième paquet. Donc je vais faire cuire qu'un seul paquet là ce soir. On va manger à table. On voit sur mon visage à chaque fois quand ça va être la mauvaise période, hein, chez moi. Mais c'est encore une fois. À chaque fois je vous dis, j'ai un bouton et un bouton qui est mal placé. Là du coup j'en ai attrapé un là. Super. Hein, ça se marque sur mon visage. Elle est défigurée. Alors je suis défigurée. Oh, quoi? Fais gaffe à ce que tu dis. Un chirurgien esthétique. Ouais. T'es pas gentil. On va manger. Donc du coup le poulet est cuit. Demain on va chez Kim. Il y a sa grand-mère qui va venir. Enfin la mère à Greg qui va venir dans son appartement. Alors elle lui a dit, je te préviens mamie, hein, il y a 4 étages à monter, ça va aller. Et elle a dit oui. Mais les parents à Greg sont un peu plus jeunes que mes parents. Et voilà, mon père a des problèmes de genoux en fait. Donc du coup, il serait. En fait, il a. C'est quoi? C'est la rotule? C'est ça qui s'est fait remplacer. Et il doit faire l'autre genou. Le ménisque. Et il doit faire l'autre genou. Mais il tarde. Du coup, voilà, il a du mal à monter les escaliers, quoi, en fait. Allez, il sait encore marcher tout, hein, c'est vraiment monter les escaliers. Et puis, bon, quelques marches, il va y arriver, mais là, 4 étages, c'est énorme, il va avoir du mal. Donc oui, il y a ses grands-parents du côté à Greg qui vont y aller. Du coup, elle nous a dit, bah, maman, tu... Parents,
Oui, tes parents. Donc ses parents, ses grands-parents à elle, du côté à Greg. Voilà, qui vont y aller. C'est la première fois qu'ils y vont du coup dans leur voir l'appartement. Et du coup, elle nous a demandé si on voulait aller faire un petit coucou en même temps. Comme on n'a pas vu Loulou aujourd'hui, on l'a vu en visio, les deux Loulous. Hein, on les a pas vus aujourd'hui, on les verra demain. On les a vus en visio, hein, parce que tous les jours. Hein. Tous les jours, plusieurs fois par jour même. Hein. Moi, elle m'appelle au moins, en visio, au moins 3-4 fois. Hein. Mais bon, c'est un plaisir. Hein. Je crois que je vais couper la poignée. Loulou, du coup, il sait maintenant. Il reconnaît ma voix et puis il vient avec son trotteur en courant. Allez, du coup, je vous montre ce que ça donne. Le poulet, comme je vous ai dit, la recette, elle est sur champignons, carottes, il y a des poivrons, il y a des olives. Tout est cuit dans une petite sauce tomate. Et là, au cookéo, en 5 minutes, c'est cuit. Le poulet est coupé en petits dés, donc du coup, ça cuit très très vite. On va dire 15 minutes à la sauteuse, quoi, en fait. Bon, allez, je vous fais des bisous. Et du coup, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. I lose my breath whenever I see you.